Calcul, les propriétés de la multiplication, deuxième partie. La distributivité. La multiplication se distribue à chaque terme d'une addition ou d'une soustraction. La définition est complexe, mais les exemples vont vous aider à comprendre. Prenons donc l'exemple 3 fois 8 plus 7. Distribuer le terme de la multiplication, c'est-à-dire prendre 3 et le distribuer d'abord à 8. On obtient 3 fois 8. C'est une addition, on reporte l'addition. Puis, on distribue de nouveau le 3, mais cette fois-ci au deuxième terme de l'addition. Autrement dit, 3 fois 7. Nous avons alors des calculs très simples à faire. 3 fois 8, 24. 3 fois 7, 21. Nous obtenons 24 plus 21, c'est-à-dire 45. Continuons avec les exemples. Et donc, 4 fois 5 plus 6. Distribuons le 4 au 5. Donc 4 fois 5, c'est une addition. Puis, distribuons le 4 au deuxième terme de l'addition, c'est-à-dire 6. 4 fois 6, nous obtenons 20 plus 24, c'est-à-dire 44. Dans la définition, nous avons également parlé de la soustraction. Donc, essayons avec une soustraction. 7 fois 8,3. Distribuons donc le 7 au premier terme de la soustraction. 7 fois 8. Cette fois-ci, nous avons une soustraction. Donc nous reportons le moins. Puis nous distribuons le 7 au deuxième terme de la soustraction. 7 fois 3. Nous obtenons donc 56 moins 21. C'est égal à 35. Mais à quoi cela sert-il? La distributivité sera la base de la multiplication opposée. Prenons un nouvel exemple. 327 fois 4. Commençons par décomposer 327. Nous obtenons 300 plus 20 plus 7 fois 4. Distribuons chacun des termes de l'addition à la multiplication. 300 fois 4 plus 20 fois 4 plus 7 fois 4. Nous obtenons 1200 plus 80 plus 28. Le résultat est donc 1308.